Voilà ce qu'il a dit, Yeshua. Et il a levé les yeux vers les cieux, et il a dit, « Mon Père, voici qu'elle est venue, l'heure. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Tu lui as donné puissance et autorité sur toute chair, afin que tous ceux que tu lui as donnés à lui, il leur donne la vie de la durée éternelle à venir. Et la voici la vie de la durée éternelle à venir, c'est qu'ils te connaissent, toi qui es seul Dieu de vérité, et celui que tu as envoyé, Yeshua, celui qui a reçu l'onction. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. L'action, je l'ai achevée, celle que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, mon Père, à tes propres yeux, de la gloire qui était à moi avant qu'elle ne soit la durée du monde présent à tes yeux. Je l'ai fait connaître ton nom, au Fils de l'homme que tu m'as donné, pris du monde de la durée présente. À toi, ils appartenaient, et à moi tu les as donnés, et ta parole, ils l'ont gardée. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné provient de toi, car les paroles que tu m'as données à moi, je les leur ai données, et eux ils ont reçu, et ils ont connu véritablement que de toi je suis issu, et ils sont certains de la vérité que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je te prie. Ce n'est pas en faveur du monde de la durée présente que je te prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car à toi ils appartiennent. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et j'ai été glorifié en eux. Et je ne suis plus dans le monde de la durée présente, mais eux, ils sont encore dans le monde de la durée présente, et moi je m'en vais vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un. Tant que j'ai été avec eux, c'est moi qui les ai gardés dans ton nom, ceux que tu m'as donnés, et je les ai protégés, et aucun d'entre eux ne s'est perdu, si ce n'est le Fils de la perdition, en sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je m'en vais vers toi, et ces paroles, je les dis dans la durée du monde présent, afin qu'elles soient en eux la joie qui est la mienne, et qu'elles soient accomplies. C'est moi qui leur ai donné ta parole, et c'est le monde de la durée présente qui les a haïs, parce qu'ils ne sont pas issus du monde de la durée présente, eux, de même que moi je ne suis pas issu du monde de la durée présente. Je ne te demande pas que tu les retires du monde de la durée présente, mais que tu les gardes de la main du méchant. Du monde de la durée présente, ils ne sont pas issus, de même que moi je ne suis pas issu du monde de la durée présente. Consacre-les, sanctifie-les dans la vérité, c'est ta parole qui est la vérité. De même que moi tu m'as envoyé dans le monde de la durée présente, moi aussi je les ai envoyés dans le monde de la durée présente. Et c'est pour eux que moi je me suis consacré et sanctifié moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés et sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je te prie, mais aussi pour ceux qui seront certains de la vérité qui est en moi par leurs paroles, afin que tous ils soient un, de même que toi, mon Père, tu es en moi, et moi je suis en toi, afin que eux aussi ils soient un en nous, afin que le monde de la durée présente soit certain qu'il est vrai que c'est toi qui m'as envoyé. Et quant à moi, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un. Moi, je suis, je serai en eux, et toi, tu es en moi, afin qu'ils soient accomplis dans l'unité, afin qu'ils connaissent le monde de la durée présente, que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme moi tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je serai, moi, eux aussi, ils soient là avec moi, afin qu'ils voient la gloire qui est la mienne, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde de la durée présente. Père Saint-Just, et le monde de la durée présente ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et eux, ils ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux.